Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de curatelle et tutelle. Mais le problème, je vais aller être bref sur certains mots que je vais être un peu direct, qui est un peu normal. J'espère que ça va tout bien parce que, je sais pas, tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo et ça coupait entre-temps. Donc, j'ai pas pu filmer ce que je voulais dire. Bon, bref, on y va sur le sujet directement. Vous savez très bien que Olivier, l'aîné, donc moi, je l'appelle Paulotte de Laine, pour un peu rire, mais en même temps, je vais pas vraiment rire là, parce que Nono Olivier, il a commandé un congélateur ou un frigidaire quoi, un ensemble qui vaut 499 euros. Et sa curatelle le fait retarder. Voilà, il a besoin d'un nouveau congélateur, donc un frigidaire, un équipement frigidaire qui a un congélateur en même temps. Équivaut 499. Bon, bien sûr, elle a pris une marque dans ses moyens. Et le problème, c'est que sa curatelle ne fait pas le contrat de sa protection à la base. À part faire des conneries, raconter des conneries de A à Z. Hein. Je peux vous garantir, les conneries, j'en ai beaucoup trop entendu son sujet à elle, même que j'étais avec Olivier à l'ATM, hein, ex-majeur ATM, parce que c'est un peu con, ces deux noms en même temps. Bref, qui font pas leur rôle du tout de protection du majeur. Donc voilà, vous savez que bon, quand vous êtes protection majeure, vous avez le droit à demander ce que vous voulez pour votre confort. Olivier, il a toujours fait à ses moyens. Ça veut dire, mettez de l'argent de côté pour acheter. Mais là, c'est pas possible, il a papa, il a besoin de changer de réfrigérateur, parce que son réfrigérateur qu'il a, c'est un réfrigérateur qui est à l'ancienne. Et c'est peut-être bon, les anciens, mais vous savez, aujourd'hui, les réfrigérateurs d'aujourd'hui, c'est pas glacé comme vous voulez. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et donc, le problème, il est là. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si c'est normal, mais pour elle, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal du tout. Son fonctionnement. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué, sans être compliqué. Elle enfreint les articles du code pénal de la protection. Donc elle enfreint, il fait croire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, qu'il n'y a rien du tout, et tout ça ne va pas. Voilà. Mais bon. Bref, pour ceux qui comprendront, essayez de la partager. Merci, bye bye.